Alors, ça fait plusieurs fois m'a prêché sur la puissance de la septième foi. Je vais prêcher troisième message là sur la puissance de la septième foi. Là, nous regarder dans la Bible, nous voyons comment bon Dieu et la Bible mettent en pile en phase sur ténacité, sur persévérance. Nous t'a dit que bon Dieu, une fois que bon Dieu dit un bagage, et puis nous faisons une foi, et puis ça marche. Même garder dans la Bible, bon Dieu, comment il cultive la caille, il a construit la foi, il a construit l'obéissance, il a bon Dieu collaboré avec son gros cause. Eh bien, nous t'a dit, pas de l'eau, pas de la pluie pendant 3 ans, 6 mois en Israël. Et là, il est arrivé, Élie te voyait Élisée à monter, voyait serviteur monter dans mon nom pendant 7 fois. Pour la regarder, qui ça y est? Est-ce qu'il y a un petit nuage qui paraît sur la mer? Monsieur a fait 6 fois la montée, descendre mon nom. Descendre mon nom, monter mon nom, il n'y a jamais rien. Et le prophète là qui a la foi, il dit continue à aller, il dit ça ouais. Et finalement, il te dit, mon petit nuage d'un coup plat, mais. Et puis il dit, elle dit, Wakab, elle l'a dit. Parce que la pluie après est tombée. C'est toujours important pour que les gens observent, mon Dieu, au moins pour nous, un petit nuage quand même. Vous comprenez une situation là-dedans, vous connaissez nous, car oui. Parce que une situation là-dedans, pas un nuage même, ou pas rien. Et bien, c'est ça que fait le plus souvent, une situation là-dedans, si vous prenez son bon route lié, ou besoin de sacrer persistance. Ou besoin de sacrer persévérance. Ou besoin de sacrer ténacité. Obstination. Ça veut dire que ce n'est pas comme si on finit prier, et bien après, il vient de nous. Quelquefois, bon Dieu fait comme ça. Mais quelquefois, bon Dieu, il a passé nous. Étape par étape. Étape par étape. Il a cultivé quelque bagaille à l'intérieur de nous. Malheureusement, nous ne pouvons pas comprendre ça. Eh bien, nous te ouais. Deuxième message de prêcher sur Naaman, toujours septième fois. Vous sortez là quand vous venez, vous faites la joie plonger cette fois dans la rivière journée, vous faites chaud, vous allez, vous ne pouvez pas aller parce que vous sortez là quand vous avez une belle rivière. Mais ce n'est pas la rivière journée qui a pour guérir au monde, c'est obéissance avec la foi, c'est bon Dieu qui a guéri. Et finalement, j'étais obéi et l'ai guéri. Et troisième, ça parle du troisième camarade là, c'est la chute du mur de Jéricho. Et tout le temps, il parle de chute du mur de Jéricho. Bon Dieu te promet, Canaran, depuis longtemps, à grâce en cette dit que ma banne en pays, vous n'allez pas plaisir nous parce que. Il y a l'état avec miel qui a coulé là, dans le Canaran. Le Canaran, c'est l'actuel territoire Israël. Et si Jordanie et Gaza, qui sont dans le territoire palestinien, si tout ça, c'était pour Canaran. C'est Canaran. Donc Israël actuel et les deux autres territoires occupés, surtout Gaza. Côté nous connaissons une guerre là entre Israël et Israël pour bombarder Gaza parce que mon groupe, les Hamas, son groupe. Militants politiques, mais en même temps tout, Amérique, qu'on dit un groupe terroriste. Territoire, ça, bon Dieu, te promet pour faire Israël venir là-dedans. Bah, on pour qui ça, c'est là, bon Dieu choisi, dit, pour faire aller. Peut-être qu'il y a quelques raisons qui fait bon Dieu voulait détruire le peuple qui était là avant. Il y a une raison. Et m'a dit, non, il y a des fois, il y a quelques bénédictions qui viennent, nous sommes méchants, bon Dieu, prenez une main, puis bon. Pourquoi nous comprenons ce que Dieu là? Gain bénédiction vient jouer nous c'est pour méchant bon Dieu prend la main bon. Et parfois tout monde qui plus méchant bon Dieu capable c'est l'ordre pour exécuter plan bon Dieu dans la vie. Bon Dieu il a retiré on sait des peuples qui étaient là la voyons mais pour y faire Canaan, il y a un plus gros obstacle qui gagne c'est que gros muraille. Et dans l'étude que me fait ce n'est pas ton seul miracle, c'est deux miracles. On va essayer de comprendre.
Dans Hébreux 11, verset 30, dans Hébreux, il y a la galerie des hommes et des femmes de foi. Il y a exposé là, Hébreux 11. C'est comme si c'était un salon d'exposition des hommes et des femmes de foi dans Hébreux chapitre 11. Et puis dans Hébreux 11, verset 30, la Bible dit que c'est par la foi que les murs de Jéricho tombèrent après avoir été entourés pendant environ 7 jours. Parce que Dieu dit que Jéricho était comme muraille dehors et comme l'autre muraille à l'intérieur. Et porte fermée, peuple n'a pas passé. Or, il faut passer Jéricho parce que Jéricho est un carrefour stratégique lié. Il faut que c'est là pour passer. Vous êtes sur route pour aller à Canaan, mais en face au Jéricho. Miraille là. Et c'est pour ça le miraille. Deux miraille. Je pense que le peuple a été mis en main pour écraser le miraille. Mais comment faire passer? Mais la Bible, quand il parle de bon Dieu, la Bible dit que le monde qui fait promesse là est fidèle. Vous ne dites pas j'aime promettre un barré, puis pas déjà pour voir qui est moins, hein, il va le passer pour mettre dehors. Et c'est ça qui fait moi un bon Dieu. Ouais. Depuis mon Dieu, pour mettre un barré, vous mettez faire confiance. Vous ne pouvez pas connaître qui route la passer. Parce que le plus souvent, route bon Dieu passe, il n'y a jamais dans tête au même. Il n'y a jamais dans tête au même. C'est ça qui fait moi-même, bon Dieu. Moi-même, bon Dieu. Route la passe, pourquoi j'aime. Le monde n'a pas servi avec elle, peut-être que vous n'avez pas de lien avec elle-même. Il a agi qu'on tombe après environ 7 jours. Nous, et le monde qui vient de l'église qui part. Qui chute parce que, oh, bon Dieu, ma jambe fait pour moi, ma plat prière depuis longtemps, ben, il va marcher, et puis virer. On peut mettre virer, aller, je vais de côté, yo, car, ben, fait, ben, il marche. Là, il marche, ou à tourner. Ya, vrai? Là, il marche, ou à tourner. Parce que bon Dieu, trop lent, pas vrai? Bon Dieu, trop lent, et bon Dieu, prend trop de temps, ou besoin de côté rapide, pour faire un marché rapide, un marché pressé, une excitation. Et bien, c'est même Jacques Mounoui, il y a une activité bien propre, la prédifèle, là, il cherche un bagage, il mette, on a dit propos, mette dans la corée. Pour qui ça, il dit, il faut chauffer le bagage là. Problème. Quand il y a non seulement la prédifèle, ou fait bien, ou engage, ou accompagne encore, qu'il faut souffrir encore, qu'il n'a jamais joué la vie. Et la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne passe d'aucun chagrin. Oh, là c'est mon Dieu qui bénit. C'est pour jouir de bénédiction. Là où elle a caillou, je toujours dit ça. Moi, les mots de la caillou, je ne pas éviter ni voler, je ne pas éviter ni lougaou. Parce que je prends l'air pour me tendre un mouvement dans la caillou, je ne pas lever pour vous. Parce que c'est pour moi, je ne pas gagner avec Satan, je ne pas éviter la ferme, je ne pas quoi passer pour la caillou. Pas garder vous avoir. C'est mon la faire qui a planté bagaille dans base caille, qui a pris mes chandelles, c'est yo pour venir demander causer. Mais après, bon, me dis non bien. Là où l'Éternel bénit, ou jouit. Et me toujours dit nous ça. Gien mon qui va dire bon, comme ça même n'a dit là. J'ai dit que machine son copain c'est mission que machine ni pour travailler. Il dit, il va prêter mon machine. Nos amis. Il dit, il y a quelqu'un qui dit, c'est, je ne sais pas, oh, pas de quoi, pas de quoi. Il dit, oui, je ne sais pas de quoi, voyons, je me connais à mon quoi. C'est quoi, je connais à même, ouais? Pas de quoi. Il y a toujours dit, pas de quoi? Pas de quoi, oui. Même quoi, je connais à. De toute façon, pour les gens qui, les bons Dieu arrivent là, ben nous retirons dans la poussière, retirons dans l'arbre, dans la fatra, les arrivent pour avoir juillet, et pour avoir dit, ça y a pour elle dit. Ça va elle dit. Bon Dieu, ben non. Ancienne ville Jéricho, géographiquement, trouvée à environ 10 km du Jourdain, parce que Jourdain sont fleuves que vous traversez. Pour avoir arrivé à Jéricho, vous traversez Jourdain quand même. Environ 12 km au nord-ouest de la mer morte, nous comptons de parler de lui. La mer morte, lui-même, il n'a pas produit poisson, il n'a pas produit rien parce qu'il est tellement salé. Et mon calé en Israël, le plus souvent,
je cherchais ben dans la mer morte parce qu'ils m'ont pour arthrite, rhumatisme. Il est tellement salé, la mer morte. Il y a 204 mètres sous le niveau de la mer et environ 900 mètres, 14 mètres sous Jérusalem. Bon. La ville de Jéricho, selon les chercheurs, nous avons sorti dans Yarek. Ouais, Yarek, le dieu de la lune. C'est-à-dire, Dieu t'a servi là, c'est la lune qui est Dieu. Et je comprends pourquoi ça, mon diable, il fait acheter. Parce que toute gloire pour mon Dieu, Laurent, c'est un bagaille. Ou bien un idole. Ou bien gloire, mon Dieu, ou bien l'autre bagaille. Il n'y a pas de problème. Et c'est ça que fait le bon Dieu, ben nous. Pour dire, c'est connaissance, c'est force, qui faut gagner. Et puis, on va ça en gloire. Avec ça, bon Dieu, bon. Bon Dieu, il y a une bonne leçon. Ou bien, vous perdez tout. Puis, il faut connaître, moi, je suis force. Moi, je suis santé. Moi, je suis intelligence. Le Dieu, l'ancien Dieu tutélaire de la ville, Yarek, le Dieu de la lune qui était très populaire dans l'ancien Proche-Orient, Yarek. C'est lui, Dieu parle ça. Alors, moi, j'ai adoré les gens qui créent la lune plutôt. Il a adoré la lune plutôt. Au lieu que mon adoré bon Dieu bon ici, il a adoré sous l'eau que bon Dieu créé. Il a adoré pied bois que bon Dieu créé. Sous sorte de animis ou joigni bon ici à tout. Au lieu que adoré le créateur, il a adoré la création. C'est son gros problème. Et en pile fois, c'est dans son quoi, système de quoi est-ce qu'on a déterminé bonheur nous ou bien malheur nous. Croyance sont force. Croyance qui en faiblesse tout. Parce que vous devez décider pour connaître qui sont quoi. Dans qui nous quoi. Nous-mêmes en Haïti, nous avons un problème. En plus, même dans le protestant, on a brûlé le débord. Je dis à nous, nous bon Dieu, mais tout en bas, il a beaucoup raide. Combat, il a contingent à persister et puis nous plonger. Nous tombons en Égypte. Égypte, c'est le symbole du monde. Et ça fait l'air, bon Dieu te dit malheur à mon qui descend en Égypte pour aider à manger. Et pourtant, mon Dieu, quand vous voyez mon Haïtien en Égypte, il y a un problème. Mais il dit malheur à mon qui descend en Égypte. Et il y a une raison pour appeler nous pas qu'à jouer une bénédiction parce que nous avons balancé entre l'Égypte et Canaan. Sa vie, mon Dieu, c'est conviction. Il décide de dire ça, mon Dieu, il y a un bon Dieu net. La mort, maladie, pas de fort, quitter mon Dieu. Il y a un propre texte qui a dit que ça, il y a un canal l'évangile. L'évangile bah blanc. Encore un gros problème. C'est seul l'évangile blanc bah il y a pas aim, il pas appelé. Mais bel téléphone à une main, bel style chemise, bel pantalon, bel soulier, bel tennis à yo blanc bah tout. Blanc tellement bah il bah il rate de acheter tout chiré et puis il a acheté yo. Mais c'est seul l'évangile qui va bon. Oh c'est pas blanc il va bon. Il a mangé durable tout bagaille blanc bah tout bah il a payé hein. Pas de problème, mais l'évangile là, c'est blanc vinaki. Par conséquent, vous décidez, vous même pour servir esprit dans pied bois, esprit dans tout jour, esprit. Donc, vous dites, c'est haïtien, c'est africain, c'est esprit dans tout l'eau à pied bois. Vous croyez. Et puis, il y a bas au gloire, il y a bas au service. Et puis, bon Dieu là, il a gardé nous. Oui, j'ai été là, bon Dieu a gardé nous, non, grenier. Parce que où est haïtien, ça haïtien cap tout haïtien, ça haïtien cap haïtien courir, haïtien dans chaud, bagay ça son jugement yé. En bout de la cave pour dans chalet ça. Te ka jugement tombe sous pays ya. Ça coule toute la journée, moun a tué moun toute la journée, moun yo se nan diable nan sidole quoi. Eh ben bon, nous n'a problème. Et nous pa konnen ki l'an sorti. Nous songeons là que Israël était dans situation difficile avec peuple philistin. Qui a attaqué au tout temps. Et Palestiniens, c'est descendant Philistin et tout. Bon Dieu dit, m'a pas délivré nous, oui, mon yo. M'a voué un libérateur pour nous. Pour délivrer nous en bas Philistin. Mais qui problème qui vient, c'est que même libérateur, ça, bon Dieu, pour mettre là, je ne sais pas encore fait. Ça veut dire problème à peuple là, pas vous demain non. C'est Samson là va vous pour libérer le peuple là. Alors que Samson vous quoi fait? Il y a une situation là dedans. Bon Dieu, pas dit pas mettre dehors, ne va pas sans pile temps.
ça dépend des niveaux problème ou qu'ak bon Dieu c'est niveau temps avec pression après prendre m'a bon libérateur pour nous mais côté li pas encore fait et pas pour demain matin il y a situation là dedans et pas pour deux jours non gars si mon Dieu veut papa mais quelle situation tout la pointe. Canané ça y est tout. Qui bon Dieu qu'on a adoré. Parce que si Jéricho gagne Irak, mais l'entre Canaan même. Pour qui ça bon Dieu dit m'a pas bon nous un pays. Et il dit pour nous détruire tout ça nous jouer dans dedans, tout monde nous veut détruire tout. Et il y a des fois c'est les bon Dieu dit fait elle nous pas faire et puis nous venir payer choc là tout. Gen moun bon Dieu montre clairement faut retirer pas colère toi oui. Et bien non bagaille et bien OK puis fina avou. Bon Dieu dit détruit. Pour qui ça bon Dieu dit nous religion cananéenne non te gagné le culte de la divinité suprême. Divinité suprême non yo te les L E L. Avec madame li te les Asherah. Ça veut dire que de go divinité que les L E L. Et ça fait dans tout nom, ouais, elle l'a dit, elle dit Dieu. Ouais, Daniel, d'éternel, mon juge, Ismaël, Emmanuel, ouais, tout eux, elle y a, bah, l'idée de Dieu. T'es une divinité, qu'elle est elle, elle, et majuscule, elle, majuscule, avec madame ni Asherah. Donc, il n'y a pas d'ouri, moun sa, yo, divinité sa, yo, mais t'es une autre encore. Cananéens ont adoré également Baal. Baal là, c'est le dieu de la pluie et du tonnerre. Je dis c'est Baal qui voit la pluie, c'est Baal. Et c'est pour Baal ça que fait bon Dieu, on l'a fait 3 ans, 6 mois, la pluie pas de jamais tomber en Israël. Parce que mon Dieu était toujours dit c'est Baal. Et qui est-ce qui vient avec le culte de Baal en Israël? C'est Jézabel. Jézabel, madame Akab. Akab, c'est un roi méchant. Là, il cherchait une fille qui sont ici Sidon, et fils à papa, il est responsable centre d'adoration du Baal à Sidon. Michel prend une fille qui a des parents à service d'idole. C'est lui qui vient avec en Israël. Depuis fils à vie en Israël, il ferme à faire bon Dieu net, c'est de Baal, il a parlé. Alors, je dis toujours dit que Jézabel, plus bon, pas sans pile dans nous. Parce que au moins, il vient avec religion imposée. Mais vous, même dans le travail, vous n'avez pas parlé de Jésus-Christ dans le travail. Même dans l'école, vous n'avez pas parlé de Jésus-Christ. Jézabel, plus beau, pas sans pile. Il vit la culte de Baal dans le pays. Hein? Tout le monde net en bas Baal. Ah, bon Dieu, fâché. En Baal qui voit la pluie, c'est lui qui fait tourner, il fait la pluie tomber. Mais ok, pas un problème. Pas un problème. Si c'est Baal, pas un problème. Je ne peux pas le faire 3 ans, 6 mois, me bloquer la pluie. Moi, si Baal a fait la pluie, venez. En Égypte, il y a un dieu, il y a Osiris, qui était resté dans le fleuve, le Nil. Chaque matin, vers 10h du matin, Pharaon a prié devant le fleuve. Là. C'est là bon Dieu. Il y a un Satan qui a une forme mabouya, tant qu'on a un crocodile, c'est dans le fleuve là, il était. Chaque matin, Pharaon allait là. Eh bien, le bon Dieu a brûlé 10 plaies d'Égypte. Il fait Nil là tourner sang. Son défi bail. Dieu ça pour empêcher si c'est bon Dieu est vrai empêcher Nil la tourner sang. Bon Dieu toujours ba au gros défi. Là on prend gloire bon Dieu bon l'autre bagaille non seulement on a un problème ni ba elle a un problème ni où. Servi bon Dieu bagaille je vais dans ça bon Dieu nous. Il y a servi Baal. Il y a servi Anat. Anat là ça y est déesse de la guerre. Il a servi Astaté, déesse de l'amour et de la fertilité. Ça veut dire c'est Astaté, c'est le fait mon fait petit. C'est l'amour, c'est Astaté, Astaté, Astaté. Ok, bon Dieu, il va là même, non? Dieu efface bon Dieu net. C'est l'autre divinité qui est là. Bon dilemme. Pour entrer à Jéricho, il y a deux choix. Premièrement, il y a arrivé à Jéricho. Il n'y a pas qu'à faire bac. Parce que c'est soit que ou jouer l'obstacle dans Jéricho, ou courir tourner, ou bien avancer.
Parce que dans la position que tu es arrivé là, c'est soit retourner, mais l'autre tourner, tu ne vas pas arriver à ça qui va arriver tout. Parce que déjà, fin de traverser le désert, déjà. On va entendre tout, déjà, mais quand il y a là, mes mirages, il y a des vents qui savent pour faire. Dans la vie, nous avons pile mirage parfois devant nous. Et nous ne savons pas ce qu'on fait. Parfois, nous ne savons pas si vous devez faire bac ou si nous devons avancer. Nous ne savons pas si nous sommes dans une situation comme ça, que nous ne savons pas si pour avancer, c'est pour faire bac. Bon. Secourir, son seul côté au cas aller, si vous retournez, retournez dans le désert. C'est ce qu'on a fait. Si vous retournez dans le désert, vous retournez. Qui s'est passé, le désert va gagner ni de l'eau, ni fraîcheur là-dedans. C'est un problème, on va mettre tête ou pas qu'à retourner dans le désert encore. Ou pas qu'à retourner. Mais mirez là devant. Si vous faites bac, qui vous doit aller? Pas qu'on ait la vie gagne ça là-dedans, parfois dans nos situations, ou pas qu'on ait si pour avancer, c'est pour faire bac. Option ça pas bon, parce que si vous faites bac, pas gagne ni pied bois, ni de l'eau dans les airs. Bon Dieu, qu'on fait miracle, là il y a deux airs ensemble avant, il fait miracle, il fait de l'eau sortir dans la roche. Mais quand il y a bon Dieu, c'est route la faveur, si vous tournez, c'est pour tête en retourner. Si vous retournez, c'est pour tête en retourner, mon Dieu, pas d'eau, un dans deux airs encore. Qu'est-ce que vous faites? L'autre option, c'est faire face. Faire face. À Miraïla, à obstacle-là. Et si on a meilleur bail dans la vie, l'on prête pour faire face à une situation qu'en face. Courir pour problème, pas résoudre problème. Quel que soit ça hier, il faut que courage pour faire face. Ce n'est pas courir qui a résoudre. Le peuple n'a pas qu'à faire back encore. Miraïla devant. Il n'y a pas qu'à retourner. Plusieurs fois, je me dis non. Bon Dieu, qu'on mette nos positions. Ou pas, quoi, moi, je sortis. Parce que là-bas, ils font bagaille. Là-bas, ils font bagaille ou pas de jambes avant. Est-ce que là, bon Dieu, mette nos positions. Ou pas, ouais, quoi, moi, je sortis. Parce qu'elle pourra le faire bagaille ou pas de jambes. Là, il prend un peuple Israël, campé dans la mer. Là, il faut avoir coupé à l'œil. Peuple là-bas, qu'à jeter tête dans la mer. Ni pas qu'à retourner encore. Il coincé. Et pourtant, bon Dieu, tu as une raison qui fait le mettre côté hier. Il y en a plus gros problème nous gagnons, nous avons traversé ce moment difficile. Nous ne pouvons jamais se parler avec bon Dieu pour nous dire qui ça, bon Dieu, veut enseigner nous là. Pour quelle raison, bon Dieu, mettez-moi dans ça. Je ne parle pas devant, je ne parle pas derrière. Qui ça pour me faire? Bon. La Bible dit pendant Josué a approché de Jéricho, monsieur a fait une inspection. Monsieur a constaté la situation. Elles sont leaders parce que les leaders faut checker pour où est. Il y a un problème. Qui sera fait? Pendant que j'ai approché mon Jéricho, il m'a regardé. Il regardait en haut Miraïo, la PCE, peut-être pour une stratégie comme général Lamé. Josué, ouais, la même. Un homme sorti de nulle part. Il va un côté monsieur sorti. Monsieur paraît. Il est nèg. Il y a un côté nèg qui a sorti. Même pensé, même chose, j'ai des problèmes. Parce qu'il va rendre l'exercice pour un espionnier, sinon traite lié. Quand l'exercice sorti, oh, on ouais. D'après Josué 5, verset 13 et 14, Josué 5, verset 13 et 14, alors que Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et vit un homme debout devant lui, l'épée nue à la main. Il y a une épée dans la main qui va dans la fouille. Il y a une campé devant lui. Ah, peut-être ça, son mari qui était à fort peur, oui. Ou alors, on ne sait pas, mon gars, qui mettait un vieux démon, vin goum avant la épée dans la main. José s'approcha de lui et lui demanda, José, qui est courageux, et ça, il dit, là, es-tu pour nous ou pour nos ennemis? Est-ce que nous ou bien c'est pour l'ennemi nous? Nègre là, il ne dit pas ni pour l'un ni pour l'autre. Et puis, il dit, je suis venu maintenant comme le chef de l'armée de l'Éternel. Son femme des anges, mais c'est non, c'est qu'on servi pour Jésus-Christ, oui. L'armée, comme si chef de l'armée céleste, l'armée du ciel. Mais pendant le problème là, un homme qui paraît là, et puis il dit c'est moi chef de l'armée. Ça veut dire son homme qui vient pour bataille. Ça veut dire pas nous qui avons bataille, mais un monde. Bon Dieu, qu'on est qui l'est pour y voyer, ça pour y voyer. Bon Dieu, qui l'est pour y répondre. Bon Dieu, qu'on est la bataille, la pire de la pour y intervenir.
Grand bon bay dans la vie nous bon Dieu qui t'en a fait nous-mêmes. Mais là où bay là est possible là, bon Dieu qui pour dire mot parle. Bon Dieu qui pour dire mot parle parce que bay là est possible. Eh hey, bon Dieu fidèle vraiment oui. Bon Dieu connaît les problèmes. Il te connaît comme miracle Jéricho, il y a deux miracles. Là dit me venir moi-même, m'pa ni pour un ni pour l'autre. M'pa l'ennemi, m'pa pour personne, mon son travail me venir faire. Et vous voyez comme chef l'armée de l'Éternel, l'armée de l'Éternel. Ça son gros chef qui vient là. Est-ce qu'il est nécessaire pour celle-là présent là? Oui, nécessaire. Pour qui ça? Nous n'avons problème. Nous par contre, si pour nous monter, si pour nous descendre. Là, par contre, ça vous faire faut celle-là avant. Là, bloquer faut celle-là avant. Ou par contre, si pour avancer, si pour faire back. Mais si elle là, fonctionne avec mon Dieu, ou faire avec mon Dieu, mon Dieu connaît quand on peut bloquer, il connaît ça, il peut faire tout. Soyez reliés, l'observe mon Dieu, les bails au red bull, et puis carrément, ou tout chiter ou aller, ou pas jamais sortir dans son air. C'est rester contre lui jusqu'à ce que l'Éternel mette au dehors. Parce que les gens qui servent mon Dieu, tout le monde pas jamais honte, mon Dieu mette au dehors quand même. Pas comme les gens qui croient dans mon Dieu, tout le monde pour mon Dieu, pas de mots pour les jour. Mais bon Dieu connaît les obstacles, il connaît les miracles. En façon. Alors Josué réalisait que ce n'est pas tout le monde qui était vrai. Alors Josué tomba face contre terre en signe de respect et demanda qui message, mon Seigneur, au gain pour serviteur. Qui message vous portez? Parce que créature, ça arrive là, il va pas venir pour rien. Il porte un message. Bon Dieu, toujours un message pour nous. Bon Dieu toujours voulait parler avec nous. Bon Dieu toujours on va y vous dire non. Et puis ça qui ça Josué 6 verset 14 dit: "Oh, Jéricho était étroitement fermé à cause des Israélites. Mais ils ont fermé Jéricho net, mon ont fermé. Personne pas capable sortir, personne pas capable entrer, Jéricho fermé. Avait dit Israël pas jamais capable entrer dehors. Ils ont fermé et c'est là vous passez. Et puis, bon Dieu, voyez un message. Vois, je livre entre tes mains Jéricho, son roi et ses combattants. Bon Dieu dit, moi déjà livré Jéricho, ben non, ni roi et ni moun ka pa y vin goumè pour Jéricho, je me livre yo, en bas. Ah, une fois, un peu le monde qui a campé en face, oui, il y a une force. Il y a capacité, il y a kagoumé, mais l'autant de bon Dieu dit, même livré au bord, ça va pio y avoye. Le bon Dieu livré l'ennemi au bord, il va pouvoir avec autorité. Parce que son bagage surnaturel qu'il mettait dans où pour faire face à l'ennemi. Mais c'est bon Dieu qui va pouvoir ça. Lique pour bon Dieu. Il dit, me livré entre tes mains, Jéricho. Son roi et ses combattants, ils ont tout livré au bord. Et puis il dit, bon Dieu, il plan bataille là, mais comment Mirai après tombé? Marchez une fois autour de la ville avec tous les hommes armés. Premier bail, ville Jéricho, il dit, font premier marché autour de la ville avec tous les gens qui sont armés. Fais ça pendant 6 jours. Pourquoi faire une en ville pendant 6 jours? Je pense qu'il est fatigant, pas vrai? Chaque coup, fin fait jouer aujourd'hui à la, il tourne dans le camp. Après ça, retourne, vient virer encore, retourne encore. Vient virer 6 fois. Et c'est ça, même moi, après une fois dans l'évangile, nous ne pouvons pas le faire. Il avait dit que nous ne pouvons pas le faire comme si nous ne pouvons pas le faire magique, mystiquement. C'est ça quoi, ici, un mystique comme ça. Nous ne pouvons pas faire sacrifice dans l'obéissance avec la foi. Ça fait, nous ne pouvons pas jamais un miracle tomber. Il dit, marchez une fois autour de la ville avec tous les hommes armés. C'est bon Dieu qui a bon victoire, c'est lui qui a bon consigne. Il dit, mais ça, wap fait. Fais ça pendant 6 jours. Ça, c'est bon Dieu comme grand guerrier qui a bon stratégie bataille là. Demandez à 7 prêtres de porter des trompettes avec des cornes de bélier devant l'arche. Trompette et cornes de bélier, ça c'est gros amis. Qui s'aime ça là?
trompette pas connait seulement avec con de bélier. En tout cas, c'est bon Dieu qui dit. Et le plus souvent, le bon Dieu il fait ben là, miracle là, il fait. C'est pour ben t'as jamais imaginé. En tout cas, il dit sept prêtres à porter trompette, à con de bélier, con de bélier pour connaître. Et puis le septième jour, il dit faites sept fois le tour de la ville. Oh my gosh. Nous venons faire six fois déjà, pas vrai? Nous venons faire six fois déjà. Nous virons six fois déjà. Septième fois, vous dites combien de temps vous faites encore? Ah, ça, bon, c'est hier, moi, je vais aller me balader encore. Non, mais imaginez. Vous me faites tout le monde ça déjà. Quand la septième fois, vous dites pour me faire combien de fois? Septième jour, faites sept fois le tour de la ville. Bon, on s'est viré tout 10 macabres. Et finalement, nous te dit, nous ne pouvons pas faire encore. Nous campons. Mais pas oublier son bébé va chercher dans le même Dieu, pas vrai? Si ton bébé va chercher dans le même Dieu, c'est lui pour tout ça pour faire. Et puis, il faut nous faire corvée, nous battre corps, nous faire corvée, parce que nous partons des consignes que bon Dieu baille. La semaine dernière, j'ai avancé là dans une place sur psychologie cognitive. Dit là bah tu élèves fait un devoir. Premier bagage pour comprendre c'est consigne. Qui ça consigne veut dire? Consigne pour faire devoir bien faut comprendre qui ça yo mando pour faire. C'est consigne. D'abord expliquer consigne et concept. Qui ça concept veut dire? Qui ça consigne? Si pas comprendre consigne ou pas bien qu'à exécuter ça pas exécuter. Donc par conséquent, bon Dieu bah consigne là, il dit mais ça pour faire. Il y a 10 personnes qui étaient à l'Alep, qui voient Jésus, ils disent, maître, il y a pitié pour nous. Jésus dit, aïe, fais souvent sacrificateur, ouais, non. Il va guérir, non? Et souvent sacrificateur, c'est lui qui a guéri qui a une bonne autorisation pour marcher sur le monde. Or, Jésus n'a pas guéri, il dit, aïe, fais m'jé, ouais, non. Ah, je pense, il y a nous qui dit, oh, bon, je ne vais pas faire pour mettre quitter ça. Et puis, nous virer de nous. Et puis comme c'est Jésus, monsieur a bralé, c'est pendant une route, il a guéri. Il y a un bon a cherché le bon Dieu. Tout le monde a fait rêver le bon Dieu, nous n'avons pas besoin, non? Septième jour a fait sept fois autour de la ville, sous la conduite des prêtres, qui a sonné trompette. Et pas balle qui a tiré là, non? Trompette qui a sonné, il a fait un. Il fit une fois le tour de la ville, le second jour, puis ils retournèrent dans le camp. Il fit de même pendant six jours. Le septième jour, ils se levèrent de bon matin, dès l'aurore commença le jour. Et ils firent de la même manière sept fois le tour de la ville. Ce fut le seul jour où ils firent sept fois le tour de la ville. C'est seulement le dernier jour ça, de faire sept fois le tour de la ville. À la septième fois, comme les sacrificateurs tapent sonné trompette, Josué dit au peuple, poussez des cris quand l'Éternel vous a livré la ville. Mais elle a pas dormi, non? Il m'a dit pour le peuple, comment ça poule? Crie pour bon Dieu gloire. Pas bon Dieu gloire, parce que Mirail a tombé. Pas bon Dieu gloire, parce que Mirail a tombé. Pas bon Dieu gloire, parce que Mirail a tombé. Peuple a lancé gros cri. Cri de la victoire. En tout cas, regardez dans Somme 119, verset 164, moi, ça qui écrit. Sept fois le jour, je te célèbre à cause des lois de ta justice. Ça, David dit ça. Sept fois le jour, je te célèbre à cause des lois de ta justice. Son est fait cri. Relais, délivrance est arrivée. Pas bon Dieu, gloire. Délivrance est arrivée, tant que nous son femme n'a pas couché, et puis, si nous n'avons pas appelé sauté, et puis, on dit, commencez à prier. Ben, gloire. Ben, mon Dieu, gloire. Et puis, on dit, ah, commencez à voir, tu t'es apparaître. Il dit, ben, mon Dieu, gloire. Ben, mon Dieu, gloire toujours. Ben, mon Dieu, gloire toujours. Ah, moi, elle apparaître. Ben, mon Dieu, gloire. Ben, mon Dieu, gloire. Ben, mon Dieu, gloire. Ben, mon Dieu, et puis, puis, la sauté. La Bible dit, mon Dieu, prend plaisir au milieu des louanges de son peuple.
la pas bon Dieu gloire. Que situation là-dedans, ou rentrer dans faire louange bon Dieu. Pas bon Dieu gloire. Ou saisir pour ça bon Dieu pour le faire. Chers amis, Josué 6 verset 16 verset 20 dit, la septième fois, lorsque les prêtres sonnèrent de la trompette, Josué ordonna au peuple: criez, car l'Éternel vous a donné la ville. Quand les trompettes sonnèrent, le peuple cria, et au son de la trompette, quand le peuple poussa de grands cris, le mur s'écroula. Frappez mes nouveaux seigneurs. Famille, elle a tombé. Pas vrai. Famille, elle a tombé. Pendant que bon Dieu l'ouange. Ou qu'on est bon Dieu a venu délivrer quand même dans la situation. Hein? Ou a délivré, ou a délivré. Eh bien, pendant que bon Dieu l'ouange, Mireille a tombé. J'ai eu qu'on tombé. Et non seulement bon Dieu fait Mireille a tombé. C'est Mireille ça qui servit comme une sorte de trottoir remblai pour le peuple à passer. Pas comprendre si vous comprenez ça qu'a dit là. Mireille ça qui tombait, il couvrait un pile obstacle pour le peuple à te cajouen et puis ça le peuple à passer. Pour arriver côté le voile. Bon Dieu, c'est même obstacle qui est là-haut, bon Dieu, il a lagué à terre, puis ça roule à marcher. Et ça fait la Bible dit, restez quoi dans bon Dieu jusqu'à ce qu'il fasse de tes ennemis ton marche-pied. Restez quoi dans bon Dieu jusqu'à ce qu'il fasse l'aide tourner marche-pied. Et Mireille a tombé, peuple a, c'est sous Mireille, ça a eu passé pour l'aller. Oh. C'est pas de cause, non? Même ça que tu obstacle là, qu'on est assez lié à cerveau. Pour passer. Peut-être qu'on a côté des gens qui tournent obstacle encore. Ou qu'on a quartier, des gens qui tournent obstacle. Ou qu'on a travail là, qui tournent obstacle. Une famille là, qui tournent obstacle. Mais si on continue à bailler bon Dieu louange, pas bon Dieu gloire, faire ça bon Dieu, c'est bon ça, oui, on va pas y passer. Tant qu'on a la guerre, les soldats mourir, les soldats pas faire mouvement, les soldats obligés de monter sur lui pour passer pour aller. Bon Dieu a fait l'aide, mais on tourne marche plus. Bon Dieu, j'ai été miraille qui est en face de moi. Quel que soit l'obstacle là, bon Dieu est toujours prêt pour franchir avant. Il est engagé pour communiquer avec le peuple, pour porter force, réconfort et espoir. Lors de la situation, bon Dieu a porté force, la porté réconfort et porté espoir. Parce que il y a un moment où on est désespéré, on perd tout espoir. Il y a des moments arrivés où on ne connaît pas si vous avancez, si vous tournez. Je me dis si je tourne la plus mal. C'est un jour l'homme converti, ou tu chites, ou tu es dans le monde, ou tu tournes dans le monde encore, ou plus mal. Réussir avant ça, bon Dieu, retenir mon Dieu en silence. Et bon Dieu, il faut faire ça, il faut faire. Parce que bon Dieu n'a pas servi à son Dieu réel, son Dieu vivant lié. Ou qu'a collaborer avec. Ou qu'a travailler avec bon Dieu. Au moins, l'on a un cargo moun ou qu'a relé. Mais si t'es l'autre vieil esprit de mon, ou qu'a espoir, l'on a un problème, ou pas besoin yo. Et en pile fois, l'on relé yo, yo marre yo en côté. Parce que y'en a qui a pouvoir pour marre yo tout. Mais pas que moun qui a marre bon Dieu. Là, nous avons travail. Il y a des situations là-dedans, mon Dieu, qui sont entrées là-dedans, c'est parce que mon Dieu a un plan, il peut enseigner l'ennemi en yon bagay. Et mon Dieu me servi à la situation pour l'apprendre à enseigner méchant yon bagay. Et ça fait dans le livre d'Esaïe, la Bible dit que l'homme qui a attaqué, qui a servi, mon Dieu, c'est doué qui a rentré dans les yeux, mon Dieu. Doué qui a rentré dans les yeux, mon Dieu, l'a attaqué, qui a servi, mon Dieu. Par contre, si nous comprenons l'importance de ça, l'observer, mon Dieu. Bon, je vous rappelle, non. Si nous pas dans bon Dieu, on a fini avec nous déjà. On a fini avec nous déjà. Mais nous remettons. Nous remettons. En tout cas, obéissance à bon Dieu produit des merveilles. L'obéissance produit des merveilles. Nous, peut-être, pendant la petite vie, là, nous pas ouais, aucun esprit négatif, aucun découragement, aucune incrédulité, ouais. Comme si pendant la situation, esprit négatif, sous esprit négatif, dans le problème, on l'a retiré. Soyez positif. Qu'on va sortir quand même.
C'est l'esprit négatif qui finit avec nous. Parce que l'eau négative, vous ne pouvez pas faire progrès ou décourager. Mais dans le temps, le peuple n'a pas un esprit négatif, pas de découragement, pas de incrédulité. Trois bagages, ça y est. Il y a toute force. L'observer, mon Dieu. Des bouts négatifs, vous ne pouvez pas servir, mon Dieu. L'eau dans Philippiens 4, verset 8, il bat qui s'agit de l'objet de vos pensées. Philippiens 4, verset 8. Négatif là, il a fini à quoi? Négatif là, fini à quoi? Découragement, fini à quoi? Incrédulité, ça veut dire pas quoi? L'obéissance est la clé. Mais pas oublier, pas seulement l'obéissance qui a bonne victoire, mais la conformité aussi est la clé. Conformité avec quoi? Conformité avec plan bataille, bon Dieu, bon là. Pour gagner une bataille là, bon Dieu dit, mais qui ça coupe bon succès dans la vie? Eh bien, là même, on confirme avec plan qui est bon là. Ou sur consigne qui est bon là. La Bible, c'est un livre de consignes. Donc, ça veut dire, bon, chaque situation là-dedans, bon Dieu, bon consigne, mais qui ça pour faire? Mais qui ça pour faire? Alors, avec obéissance, qui sont clés, conformité avec ça, mon Dieu, mando pour faire à son clé, pour que la main puissante de Dieu agisse dans nos vies. Obéissance. Là, nous toujours dans la bataille, moi-même avant, c'est dans la bataille, bon Dieu, il y a rien. Si nous t'es simplement fait la planche, non mais bon Dieu, et bien nous t'as saisi, ouais, écoutez, la prière avec nous. Mais c'est force n'a fait. Nous ne croyons pas vrai. Ou bien nous croyons à demi. Nous négatifs. L'homme n'a pas servi, bon Dieu, pas négatif, parce qu'on observe un Dieu qui est tout puissant. N'après rien, bon Dieu, pas qu'à faire. La Bible dit tout est possible à celui qui croit. Quel que soit Mirage Jéricho qui est devant là, il va tomber. Hébreux 11, verset 30 dit, rappelez-nous, c'est par la foi que les murs de Jéricho sont tombés, après que le peuple les eut contournés pendant 7 fois. Vous avez besoin de la foi, vous avez besoin d'obéissance, et puis conformité. La foi, obéissance, conformité. Toi, ben, ça, conforme avec mon Dieu, en vérité, ma vie, cette situation là-dedans, mon appareil saisi. Bon Dieu, qu'on fait mon saisi. Il y a un mirage Jéricho à l'intérieur de nous. Il y a un mirage Jéricho en dehors de nous. Mais quel que soit côté mirage Jéricho hier, bon Dieu qui a vidé la terre. Laisse nous tendre ça, bon Dieu dit nous. Laisse bon Dieu nous consigne nous suivre. Nous avons été comme ça. Mirage Jéricho tombé. Et c'est sur les nappes marché pour nous arriver à côté, pour nous arriver à Canaan. Frappez nous pour le Seigneur. N'a pas rien, bon Dieu, pas qu'à faire. N'a pas rien, bon Dieu, pas qu'à faire. Jéricho, mais elle a tombé. Et c'est ce mirage qu'on a passé pour aller côté bénédiction à tant de nous. Bon Dieu fidèle. Bon Dieu fidèle. On prie, bon Dieu. On parle avec bon Dieu. On dit bon Dieu, on va gagner. On va connaître combien de mirages. Jéricho, on a face. Moment arrivé pour mon Dieu libéraux. Moment arrivé pour mirage a tombé. Il y a eu son maladie. Il y a eu son persécution. Il y a eu son problème économique. On va connaître. Bon Dieu qui a vu des mirages là. La foi, l'obéissance. Et quelquefois, chrétien, vous pensez, c'est vous-même qui t'a capable de battre. C'est ça qui fait parfois, vous qu'on perd une bataille. Là, oh, on nous l'a guéri, bataille là, non mais l'éternel, c'est lui-même qui connaît ça. La peur. By l'éternel, bataille là, wagé la victoire. Bataille là, c'est pour l'éternel. Bataille là, c'est pour l'éternel, pour qui ça wakra. Bataille là, pour mon Dieu, lié. Bataille là, c'est pour l'éternel, pour qui ça wakra. En silence, en silence, en silence. Vous mettez signe depuis aujourd'hui. Il y a une bataille qui dépasse, nous ne pouvons pas rentrer la main, nous ne le ciel là pour aider nous. Quelquefois chrétien, vous comprenez, c'est vous-même qui t'a capable de mener bataille. C'est ça qui fait parfois, vous comprenez, bataille. Là, on nous l'a guéri, bataille, là, non, mais l'éternel. Toi, petit bataille, ça, la guéri, non, mais l'éternel. La persécution dans l'éternel, maladie dans l'éternel, problème dans blocage dans l'éternel. Nous avons servi mon Dieu pour Dieu qui a bloqué pour longtemps. Nous avons fait démagogie, m'a débloqué quand même. Bataille là, c'est pour l'éternel. Bataille là, c'est
Seigneur, merci. Merci parce que mon Dieu nous fait bataille là-bas pour nous. Et n'après mirage, il faut qu'il y ait dans la vie nous. Ou bien qu'il y ait en face, nous ne pouvons pas tomber, il est nous obéir. Mais nous recevoir, respecter les consignes qu'on va nous. Fais-nous la foi, Seigneur. Fais-nous obéissance. Fais-nous conformer à vous. Laisse ça. Nous obéissons. Mireille a tombé. Il y a mon matin là, Seigneur. C'est son maladie, son persécution, son problème. Son problème économique. Qui tourne en chico. Un problème, maladie, problème à droite, à gauche. Mireille Jéhovah. Seigneur, pour nous écraser. Mireille, ça, on a la vie. Libérer le peuple à besoin de route pour le passer. Parce que c'est mon Dieu. Merci d'avance, Seigneur. Parce que vous avez libéré le peuple là. On va faire route tout neuf pour nous passer, pour nous passer. Parce que la belle a ce poulier. Et quel que soit le monde, tout a écrit noir en haut, dans le vieux papier. Quel que soit à côté, qui a pris mes vieux chandelles au noir, mon âme. C'est pour différents princes. Vieux bouteille a explosé. Vie jola a boule. Ya moun ya ici c'est la joie, boule wa la joie. Libéré ou. Libéré ou. Ya moun nan yo ba sou. Kase bouteille la pou nan nan tourner sou. Ni tourner sou. Yo ka servi. Merci Seigneur pour ton miracle. Libéré, 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 libéré. Bonne la foi, bonne la foi. Et de nous conformer. Merci d'avoir Seigneur. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vous continue.